Et salut c'est Flamme, bienvenue sur la chaîne Les Petits Phoenix. Très heureux de vous retrouver pour l'épisode 2 sur Street of Rage 4. J'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Donc on arrive sur l'écran de choix de personnages, car effectivement sur l'épisode 1 on avait joué Axel. Et je pense que c'est intéressant aussi de changer de personnage. Donc j'espère que vous êtes bien installés. Avant de démarrer ce deuxième épisode, installez-vous confortablement et n'hésitez pas à lâcher vos pouces bleus, vos petits commentaires qui font extrêmement plaisir. Et pour ceux qui découvrent cet épisode 2 et voulez voir l'intégrale de ce let's play, abonnez-vous et activez la cloche. Et nous on est parti. Alors effectivement on avait joué Axel comme premier personnage. Donc il avait de bonnes attaques, il avait un bon petit ulti avec ses points de feu, j'avais bien aimé. Et là on va découvrir les autres personnages, on a Blaze, Sherry avec sa guitare, elle est sympa aussi, j'aime bien. Assez stylé. Floyd, c'est vrai qu'il a des bras métalliques, assez imposants. Il est assez charismatique aussi, j'aime bien. Pourquoi pas jouer Floyd hein. Et on a Adam. Adam qui peut être sympa aussi. Je crois que c'est le papa, comme on a vu dans l'histoire, de Sherry. C'est le papa de Sherry, les amis. Eh oui, effectivement, c'est le papa de Sherry. Pourquoi pas jouer aussi Adam. Après, on a joué un mec au début. On a joué un gars. Et ben moi, j'ai envie de jouer une fille. Et ben écoutez, on va partir sur Blaze. Et puis peut-être pour le prochain épisode, on jouera un autre personnage. Vraiment, histoire de diversifier tout ça. Allez, c'est parti, Blaze. Appuyez sur commencer et je crois qu'on va redémarrer sur la cinématique pour cet épisode 2. C'est parti! Let's go! Eh ben apparemment ça démarre directement sur le stage. Ok, je pensais qu'il y aurait une petite cinématique mais non. Pour moi on est direct dans le bain et on va attaquer ça. Oula, apparemment Blaze a fait des attaques un peu électrifiées. Ça a l'air sympa et bien dynamique aussi hein. Oulala, alors on va le pâter. Oh là là. Ok. C'est pas mal, j'aime bien ses attaques, c'est dynamique. C'est fluide. Oh lolololololo. J'aimerais pas être à leur place. Ah ouais. Ah ouais. Ah c'est comme ça. Ok, faut que je m'habitue un peu. Ah j'aime pas quand ils sautent comme ça eux. Attends, on va prendre le sable. T'en veux un coup? Tiens. Allez, rentre chez toi. Faut que je m'habitue un peu à ces coups. Oh là là, j'ai mis cher. Un peu plus de mal avec Miss Blaze là. Faut faire attention que je perds pas trop de vie. Ah ouais. Ok. Est-ce qu'il fait ça? Oh là là, ce que je lui ai mis. Je lui ai mis un petit poulet. Ah, on récupère toute la vie, ça fait plaisir. À toi. Ah, il se protège carrément quoi. Carrément il s'est protégé. Oh là. Lui il a l'air costaud lui. Il fait des roulades. Carrément quoi. Un petit ulti. Ok. Ok ok, je voulais tester. C'est pas si mal. On va casser les statuettes là. Une petite pomme. Ah, on est dans la cuisine. Ah, ils font du calamar carrément. Quand je vois l'état de la cuisine, ça fait peur. Hein. J'irai pas manger là-bas. Pourquoi tu rigoles, toi? Pourquoi tu te marres? Qui t'a dit qu'il fallait se marrer? Oh non, je voulais pas l'utiliser. Je me suis gouré.
Dommage. Aïe aïe aïe, ouais, j'aime pas quand il fait ses attaques de feu, lui. Un petit poulet. Un peu plus simplifié ses attaques spéciales par rapport à Axel. Y a pas vraiment d'enchaînement en fait. Axel, je me rappelle quand il enchaînait, il faisait des combos, les amis. C'était pas mal. Aïe, 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 aïe. Bon, on y va, on y va, on y va. On y va, on y va. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est la pomme que je veux. J'adore les cris. Par contre, elle a une bonne portée quand on se met en hauteur, c'est pas mal. Après, la tête d'autres combos que j'ai pas testé. On va récupérer ça. Bon, j'ai pas voulu le laisser faire parce que. Non! Ah, j'aime pas ces flammes. On en mange un peu là. Non, reste là, reste là. Oh, j'ai pas vu. Oula. Il y a carrière. Ah, je suis embêté parce que je voulais récupérer la pomme là. C'est quoi ce bazar? Non, je pense pas que ce soit le boss lui. Non. Il a pas l'air déconner. J'essaie de pas perdre toute ma vie quand même. Ah, on est mal barré. On est mal barré, on est mal barré. Ah, ah, ah. On récupère la pomme. Oh. Alors, qui va avoir qui en premier? Oulala, c'était limite. C'était limite. Un peu plus de mal avec ce personnage, je vous avoue. Après, j'ai pas un hyper gros level, hein. Oh, il est carrément une lance. Hush, hush. J'adore. J'adore le coup de la lance, c'est pas mal. C'est sympa. Ah, j'avais pas vu. Moi, ça va être pas mal là. Un peu de place. Ou au champ qui va être dur ce niveau, ils sont beaucoup. On est mal, on est mal. On est mal, on est mal, les amis. Aïe 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 aïe. Faut que je sorte de là. On a un peu souffert là, je vous avoue, j'ai un peu souffert. C'est pas évident. Ah, je me plante dans les touches, c'est pas bon. Essayez d'enchaîner un peu les coups là, les petits coups c'est les plus rapides, ça limite les plus efficaces des fois. Allez, on va se concentrer un peu.
Interruption. C'est pas très gentil, ça. Y'a pas un petit peu de vie? Une petite pomme, un petit poulet, là? Non? Oh, on est mal. J'ai perdu pas mal de vie sur ce niveau-là. J'ai galéré. Oh. Ah, c'est des pommes. Je dirais que je vais les chercher. Elle est un peu dure, là. Et il veut pas baisser sa garde. On va essayer d'être un peu plus vif. Ok, on est pas mal. Je suis un peu mieux. Ouais, je me suis un peu mieux débrouillé par rapport à tout à l'heure. T'es un peu plus facile. Celui-là, je sens que le boss, je vais galérer, les amis. Je sens que je vais souffrir. Ok. Ah, oh, je sens pas. Je sens qu'on va perdre pas mal de vie, là. On avance. Oh, il est stylé. J'aime bien. Shiva. Aïe, Shiva, Shiva, il est vif. Ok. On va essayer de se mettre à distance. Oula. Aïe, 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 il pique. Si on tente l'ulti, pourquoi pas? Allez! Oh le le. Interruption. Pique un peu quand même. Allez, Shiva! Allez, Shiva! Oh, c'est quoi ça? Oulolo. Je sais plus quoi faire. Un peu partout. Oh, je l'ai bien là. Oh oui. Oh oui. C'est ça qu'on veut. Stage 6 clear. Ça, c'est classé. C'est fait. C'est pas mal. Alors je pense qu'on va pas avoir une bonne note. Tu m'étonnes, le C. Tu m'étonnes. Après, je suis pas encore à l'aise avec ce personnage, avec Blaze. Faut un petit peu de temps pour m'habituer. Hein, Bon, les touches pourtant c'est les mêmes, mais bon, ils ont pas forcément le même ulti. Allez, je vous laisse regarder ça et je reviens après. Ok, en fait Shiva c'est un ami en fait, c'était un boss qu'on a affronté à l'instant. Mais apparemment c'est un ami, et là ils veulent essayer en fait diffuser une musique qui contrôlerait les habitants. Et ben on va essayer de démanteler tout ça. Ah non. Ah d'accord, c'était ça la flèche. Je comprenais pas. Reste là-bas toi aussi.
dès qu'il y a la petite flèche, faut que je saute. Maintenant. Ouais, nickel. Ça, ça va, je m'en sors à peu près bien. Non, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. J'ai activé les touches qu'il fallait pas. Passe là-bas. Restez là-bas. Reste là-bas. Ah, j'aime pas quand il fait ça. Je l'ai vu venir lui, je me suis dit, je vais l'attaquer avant qu'il m'attaque. Oula. Un peu plus de mal à faire des combos avec. Ah, il m'a chopé. C'est fini. On va prendre ça. On va s'armer un peu. Tiens. 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 Mince. Ah mince, fallait up. Ah, j'ai perdu une vie. Ah, j'ai pas eu le temps de... Oh là là. Je crois que je vais plus pouvoir récupérer les sous. Ok. Ah non, je pensais qu'il y avait... On l'a déjà vaincu, elle, Estelle. Ah, re... Lance une grenade. Plus chaud. On a remis une grenade par là. Ah oui, la première fois, nous avait attaqué au lance-roquette, les amis, je m'en rappelle. Est-ce que je peux lui lancer une grenade? Ah. Ça marche. Ça marche. Bon, elle est pas trop compliquée, je trouve. Aïe. Je garde le poulet pour le moment au cas où que j'en ai besoin. Ah, ils sont deux maintenant. Déjà un, c'est compliqué. On va essayer de terminer elle là. Sauf quand il y a les grenades. Où ça fait mal. On va prendre le poulet là. Allez, chacun votre tour, à toi. Je m'écarte de ça. Ça va, je m'en sors plutôt pas mal. À Amy, je m'en sors mieux quand c'est des boss que quand c'est des mobs. Oh là, c'était beau ça. Tiens, ça c'est pour vous les gars. Oh, c'était beau ça! Ah, dommage. Estelle, il reste plus beaucoup de vie. Et bima! Stage 7 clear. Ça, c'est fait, c'est bouclé, les amis. On a réussi à terminer le 7ème stage. Impeccable. On a peut-être droit à avoir une petite cinématique. Au niveau de la note, je suis peut-être un peu plus que c'est. Ah, vous attendez pas du haut level de ma part. C'est histoire qu'on fasse vraiment un moment de plaisir, un moment de fun sur ce let's play. Ok. Un B, c'est un peu mieux. Je pense qu'on peut faire mieux. On va essayer de faire mieux la prochaine fois. Allez, petite cinématique, c'est parti.
Ah ouais, carrément, elle a fait exploser le train. On voit un nouveau personnage là. Et là, on va se trouver dans le stage 8 galerie d'art. On va voir ce qui nous attend. Et on va essayer de faire une game un peu propre. Allez, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Non. Je voulais esquiver cette espèce de bouteille là. Ok. Ok, ces mobs là. Ah, il y a un poulet en or. Il y a un poulet en gold, les amis. Oh là. Allez, c'est parti, on est chaud. On envoie le pâté. On est sur un beat'em all, faut y aller. Ah, ça fait mal. Tu m'étonnes. Elle est où? Allez. On va pas lui laisser le temps de lancer. Alors, j'aime bien assez brûlé avec sa propre bouteille. C'était assez marrant. J'ai bien aimé. Non, on veut pas les couteaux, j'aime pas les couteaux. Ah mince, c'est de la cine. On va essayer de sortir de la cible là. Non, je veux pas aller dedans. C'était pas dans ce but là. Cramez-vous un peu dans la cible. Allez. J'ai une petite pomme là, on va la récupérer. Un petit poulet, allez, pourquoi pas. Ils ont bien représenté l'univers de la galerie d'art. J'aime bien, c'est stylé. Vraiment, chaque univers est différent. On garde la même ambiance du jeu sur le gameplay, mais chaque stage est différent. Et ça, je trouve ça stylé. Une grenade. Tiens. Oh. Il y en a un peu partout là. Où aller, il y a des grenades un peu partout. Ouais. Je sors de là. Oh là là là, là ça va dans tous les sens, les amis. C'est pas mal. J'arrive pas à l'attraper. Reste là, toi. Reste là. On a de l'argent. Impeccable. Reste là-bas, toi. T'es bien où t'es. Oh. Là, y'en a, ça va dans tous les sens. Commence à avoir pas mal de grenades, de l'acide. Et ça fait boum. Et il l'a pas pris. Il l'a pas pris. Ah, vous avez le petit détail, la femme qui est en dessous en bas à droite, j'adore. Elle est en mode flip. Faut pas aller la voir. Faut pas la rassurer. Ça c'est marrant. Bon, la musique se calme d'un coup là. On peut pas prendre les poulets. Il y a de l'objet là, dis donc. Hein. Il y a de l'argent, il y a de l'objet. On récupère pas mal de choses. Ah, on arrive à la fin. Ah, c'était les... Ok. On va peut-être essayer de se concentrer sur une. On va essayer de pas prendre les flammes. Ah, elle a une sacrée portée, par contre. Je me
me concentre sur une, comme ça, ça va devenir plus simple après. Je pense que c'est une bonne idée, hein. Eh ben, moi. Ouais, ça, les flammes, ça pardonne pas. Non, je voulais pas le prendre tout de suite. C'est pas grave. Allez. On en a qu'une. À ton tour. À ton tour. Allez, arrête pas, c'est... Je vais l'enchaîner, les amis. Allez, ça c'est chiant. Ça, c'est galère. Ok. On va sortir de là. Et puis, elle craint pas ses propres flammes. Hein. C'est que nous qui prenons, hein. Comme par hasard. Bon, ça va le faire. Allez. Aïe, attention. Allez. Allez. Bim. Ça, c'est fait. Le stage 8 est clear. La musique, je la trouve vraiment fun, cette musique, elle est stylée. Ah, classe A. Plus on progresse, mieux on fait. C'est ce qu'on veut, c'est super ça. Nickel. Allez, petite cinématique à mon avis. T'es pas le thé. Bon, très rapide la cinématique, hein. Très rapide. Et là, on est à la tour Y. Ok. Au champ qu'on va affronter des sumo, les amis. On va se prendre des coups de bide, vous allez voir. Ça va être marrant. Il y a moyen qu'on prenne des coups de bide, là. C'est les Yakuza ou quoi? Ouais, c'est calme. Passe là-bas, toi. Et j'arrive pas à le choper là. Ah, ça y est, je commence à m'habituer un peu à Blaze là. Je suis plus à l'aise. C'est temps de se mettre dans le bain. Hein. Clairement. Par contre, alors, vous le voyez pas, mais en fait, sur le sol, ça glisse. Comme s'il y avait de la glace. C'est un peu moins maniable. C'est peut-être la difficulté de ce niveau. Alors reste là, fais pas tes sauts là bizarres là. Ah, oh, j'ai envie de prendre le balai. Coup de balai, coup de balai, coup de balai, coup de balai les amis, coup de balai, coup de balai. Hus, hus. Aïe. Dommage. Dommage, dommage. Attendez, on va le reprendre, on va le reprendre, on va tenter. Coup de balai. Ah non. Je vais ramasser le poulet avant que je chute. Attendez, on va tenter de mettre des coups de balai là. C'est des coups de Swiffer, c'est le Swiffer. Ouais, on va le lâcher. On est dans les vestiaires des hommes, ok. Oh. Oh, c'est quoi ça? Ça fait mal. Tape pas les filles. Tape pas les filles, les gars. Oh, la honte. On va avoir honte, les mecs. On devrait avoir honte. Après, je sais pas l'argent qu'on récupère, à quoi ça sert. Peut-être acheter des tenues, des choses comme ça. Avec cet argent, à mon avis. Avec sur Street of Rage 4. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont mis les différents symboles avec les sous.
pour récupérer la vie, les petits poulets, j'aime bien. Et ça, c'est depuis le premier opus, hein, je crois qu'ils avaient fait ça. Je trouve ça assez sympa. Regardez, de la thune, de la thune. On va récupérer l'étoile si on a besoin de faire un petit ulti. Ah ouais, c'est la sécu, les gars. Ah, par contre, va falloir... pas que je les laisse agir. J'ai pas le temps. Dès que... N'empêche, il a la classe avec son costard blanc, j'aime bien. Trop classe. Allez, on avance. Attendez, il y a un poule. La mallette plein d'argent. Il y avait plein de billets dans cette mallette. Ah, par contre, je prends automatiquement, il n'y a pas moyen d'esquiver. Ouais. Ça a l'air d'être assez galère pour esquiver. Ouais, je prends automatiquement. Non. Pas d'accord, pas d'accord. Aïe, ça fait mal, ça. Elle a repris son arme, quoi. Oh, il y a un petit combo sympa à faire, là. Eh, les karatéka, vous calmez, là. Alors, restez en mouvement, esquivez. Prendre le poulet là, je le sens pas. On est pas mal. J'ai pas eu le temps. Allez. Pas eu le temps. Protège bien lui à chaque fois, là, Miss. Oh, dans le vide, carrément. Coup de genou. Oh. Oh non. Le chat, je vais mort de rire, j'adore. Ah, et deux par contre, c'est galère. Non. Non. Pourquoi? Eh, reste là-bas, arrête avec de... avec ton crachat de flamme, là. Ah, il m'a eu quand même, hein. J'ai beau... j'aurais dû sauter. Ok. C'était pas mal le coup de l'ascenseur là. Ah, petite cinématique. C'est parti. Max. C'est un catcheur, Max. J'ai rien enlevé. Oh là 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 là. Ça va être chaud, les amis. Je sais pas si je vais réussir. J'aime pas ça. Non, non, non. Oh là là, il est au taquet, Max. Il est au taquet. Aïe, 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 aïe. Il fait quoi là? Il fait du tourniquet? Peut-être lui balancer un ulti, j'hésite. Aïe 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 aïe. Allez, ulti! Oh lolo! Allez, on essaie de le terminer.
oui, c'était magnifique. C'était génial. Stage 9, terminé les amis. Impeccable, nickel. Alors, je sais plus il y a combien de stages au total. Ça se trouve, on va tourner ça en plusieurs épisodes. Il n'y aura pas énormément, je pense que 3-4 épisodes max. C'est vraiment un jeu assez court, mais vraiment avec des moments de fun, comme vous pouvez le voir. On s'éclate, c'est l'essentiel. Donc si vous aimez ce beat'em all, hein, mettez les petits pouces bleus, les petits coms, ça fait plaisir, n'hésitez pas. Allez, classement B, il y a peut-être une cinématique. Ok, on a pris un peu plus hein, du coup. Et là on arrive sur le stage 10 les amis. C'était pas mal hein, le petit épisode là. Effectivement ils prennent bien le contrôle avec la musique des différents habitants de la ville. On va essayer de démanteler tout ça. Voilà, et carrément des... Oh ça fait mal. Oui ça fait mal. Je pense qu'on va monter d'un cran au niveau des... On va essayer de se faire un petit combo sympa. Ah, pas eu le temps. Par ici. Voilà, le petit couteau. Ah super, les pommes, tout, allez, la totale. Et on saute. Saute dans le vide, carrément. Carrément saute dans le vide. Oula. Ouais, j'ai pris un coup là. Oh. Ça, c'était pas prévu ça. C'était pas prévu. On voit des enceintes un peu partout au niveau du décor, c'est sympa. Oh, oh tu me balances carrément des marteaux quoi. Carrément, j'ai osé. C'est ça que tu m'as balancé. Oh, je lui ai lancé, il l'a récupéré dans ses mains direct. Oh, pas mal le petit combo. Il y a des grenades, attention. Encore une grenade. Ils prennent pas les grenades, j'ai l'impression. Moi, oui. Moi, par contre, oui. Ah, m'a fait une prise de catch, carrément, quoi. Aïe, 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 ça fait mal. Oh là là, j'en prends dans tous les côtés, je peux pas me relever. Les grenades, je suis un peu embêté, là, il y en a partout, c'est un peu compliqué. Ouais, j'avais plus où me mettre. J'avais plus où me mettre.
Ah ça y est, ils descendent enfin là. Arrête d'esquiver toi. Eh, j'arrive pas à la choper. Oh non. Tiens. Allez, c'est bon. J'ai eu du mal à l'attraper. Il y en a qui esquivent en fait. Ah, le couteau. Le couteau qui fait mal. Oh là là. Je m'endors un peu là. On va se réveiller un peu là. Allez, calmez-vous un peu. Un poulet. Et arrive-toi. Oh, il est costaud lui. Oh là là. Carrément des roulades et tout. Je peux pas m'empêcher de me marrer quand il se marre comme ça. Non, toi crache pas du feu. Non, non, non. Trop fort. Non, reste là-bas. Viens là toi, viens là. Ah, il fait des roulades. Arrête de bouger. Reste là. Tu restes ici, tu sais. Tu ne bouges plus. Go. Allez, on saute. On sent que les stages, ils s'intensifient là, c'est un peu plus dur. Je suis qu'en mode facile, alors j'ose même pas. Ah ouais, carrément. Je fasse gaffe avec la boule là. Ça prend la boule. C'est sympa le goût. Tiens, prends la boule toi. Prenez la boule. Ah, j'ai pris aussi par contre. C'est sympa le système avec la petite boule là. J'ai adoré. Est-ce qu'il y a un petit peu de vie par contre? Ouais. Un petit peu, hein, mais un petit peu. Oh, j'adore. On joue à la pétanque les amis, regardez. Hop là. Allez. Tiens. Et tout le monde là-bas. Ah là c'est moins drôle. C'est quoi que j'ai pris? Oh j'adore. J'adore, c'est excellent. Faut que je monte en haut. Moi je monte en haut. Ah d'accord, on peut faire un petit saut. Ok, ok. Allez, je crois que c'est le boss de ce stage, les amis. Elle vole? Enfin, il vole plutôt. Par contre, il envoie des espèces de zondes au sol. Oh là là, il a l'air chaud. De DJ Kam Kawashi. Allez, sonnez. Et le moment. Et le moment. Ah ouais, mince. Là, ça va être moins drôle, là. Il faut que j'élimine. Faut esquiver ces espèces d'ondes de... Enfin, les trucs au sol, là. Vert, là. Je sais pas ce que c'est. Ah ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Enchaîner un peu là. Il fait quoi? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? En fait, il se rajoute une espèce de petite protection.
Ah, j'ai pris le... Ah oui, il a envoyé carrément une boule de... C'est bientôt la fin, les amis. On va y arriver. On va y arriver. On galère, mais on va y arriver quand même. Ah là là. Oui, il reste plus beaucoup de vie, là. Un petit ulti pour fêter ça. Allez. Oh le lolo. Stage 10, clear. On a terminé. Impeccable. Donc j'espère que vous avez aimé cet épisode 2 sur Street of Rage 4. J'étais très heureux de vous présenter cet épisode. J'espère que vous prenez un max de plaisir en regardant ça. Un petit classement B. Bon écoutez, c'est toujours ça. Et là on va s'arrêter là, on a fait notre petite session let's play sur l'épisode 2 de Street of Rage. Si vous aimez cette vidéo, si vous avez aimé ça, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ceux qui découvrent la chaîne, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde.